12e station, Jésus meurt sur la croix. Du psaume 69. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cette parole. Parole de pardon. Parole de miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Parole d'amour, de sollicitude. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Parole de l'angoisse suprême, empruntée au psalmiste, qui rejoignent ceux qu'étreint le désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Recevons les toutes dernières paroles en écoutant le pape François. C'est le gémissement des mourants, le cri des désespérés, l'invocation des perdants. C'est Jésus. J'ai soif. Comme l'enfant demande à boire à la maman, comme le malade brûlé de fièvre, la soif de Jésus est celle de tous les assoiffés de vie, de liberté, de justice. C'est la soif du plus grand assoiffé. Dieu qui, infiniment plus que nous, a soif de notre salut. Tout est accompli, tout, chaque parole, chaque geste, chaque prophétie, chaque instant de la vie de Jésus. La tapisserie a reçu la dernière touche, tout est devenu amour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Non plus la désespérance du vide, mais la confiance pleine entre les mains du Père, l'abandon à son cœur. Il n'est plus besoin de chair pour que résonne le Verbe. De Paul Claudel. Vous avez soif, Seigneur. Est-ce à moi que vous parlez? Est-ce moi dont vous avez besoin et encore de mes péchés? Est-ce moi qui manque avant que tout soit consommé?